Petit clin d'œil à Sonic. Sérieux. Alors regardez, ouais, Mister Nut, quand vous le mettez au bord, petite animation rigolote, je sais pas si je vous avais montré. S'il te plaît, il n'y a pas un truc ici? Oh, il y a un truc. Alors il faut le savoir, hein, c'est sûr que... Sinon tu fouilles les murs. Est-ce que vous voulez boire un petit verre de champagne, une petite coupe? Hein? Ah non, pas en mission, je suis en mission. Interdit. Sonic, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, y en a pas. Bonjour tout le monde, c'est l'OSH, comme d'habitude pour notre rendez-vous quotidien, aujourd'hui avec Mister Nut. J'espère que vous vous portez bien les amis, moi ça va très bien, ça va très bien. Il est 6h36 à l'heure où je tourne, et vous avez l'impression que c'est tôt, et pourtant c'est un peu tard, je me suis levé un peu tard ce matin. Généralement c'est entre 5h et 6h que je tourne, c'est pas très grave. Allez, on y va, donc Mister Nut. Oh, on avait un petit aperçu d'introduction. Nous, on se retrouve dans le monde où on était. Dans le dernier épisode, je vous rappelle, nous sommes tombés dans le lavabo après avoir bu une potion qui nous a fait rapetisser. Et nous voici maintenant dans ce que j'aime bien appeler le monde de la vaisselle. Alors ça par contre c'est quoi ça? Ah, c'est une ventouse. C'est une ventouse pour déboucher le... Si jamais le tuyau est bouché, ouais ok, c'est ça. Allez, on y va. J'ai combien de graines? 11. Alors il y a des poissons, voilà, c'est un peu original, hein, bizarre. Je sais pas si quand vous faites votre vaisselle, il y a des poissons. En tout cas ici c'est le cas. Alors regardez, c'est bizarre, le robinet d'eau, c'est de la glace. C'est bizarre. Et faut pas se le prendre, hein, ça vous blesse. Alors c'est c'est un monde, c'est la suite du monde qu'on a déjà commencé. C'est un univers assez cool, franchement j'aime bien. Il est pas très difficile, mais il est amusant à faire. Attention à lui. Voilà, lui il est électrique. Et là par contre, je vais faire attention, il me reste plus que 2 vies. Déjà. Ah ouais, lui. Il est marrant, lui. Regardez l'éponge. Ça m'a toujours... J'ai toujours trouvé admirable. Regardez-moi cette éponge, comme elle est trop bien faite. Pour de la Super NES, elle est trop réaliste. Elle est super réaliste. Voilà, ce liquide vert, il est empoisonné. Ne tombez pas dedans. Alors, moi, je dirais que c'est du liquide vaisselle, tout simplement. Hop. Voilà, ça permet d'atteindre quelques petites pièces. Ah, ça, c'est excellent. Petit clin d'œil à Sonic. Sérieux. Ah mince. Ah non, attends. Je le veux. J'ai pas été un joueur de Mega Drive, mais il m'est arrivé de jouer au premier Sonic. Les quelques premiers qu'il y avait. Ouais, ah, c'est... Au passage, moi, je sais pas vous. Moi, je sais que Sonic est populaire, mais perso, j'ai jamais aimé les Sonic. Ça va trop. Putain, il est passé au travers, il y a un passage? Ah ouais! Ah, je savais pas ça. Je savais pas. Je disais, les Sonic, pour moi, ça va trop vite et t'as pas le temps de... C'est tout le temps l'angoisse, en fait, quand je fais le niveau d'un Sonic. J'avais essayé d'oublier des pièces, d'oublier quelque chose. Donc non, c'est pas mon style de jeu. Moi, j'aime bien explorer de fond en comble quand je fais un niveau. Alors, il y a quoi à droite? C'est la suite? Par contre, j'ai pris le tuyau, oui, mais c'est quoi ça? Ça me ramène en arrière? Parce que j'ai pas tout fait. C'était là que je suis descendu. C'était là. Ouais, ok. Donc c'est bon, c'est la suite.
Oh putain, j'ai plus que 0 vie. Ah, c'est la dernière. Et j'en récupère une, allez. Attention à lui, on attend qu'il est fini. Dégage le poisson. Il n'est pas fini. Allez, vas-y, casse-toi, toi, tu m'emmerdes. Tu me mets en danger. Attention à toi. Ok. Non. Ah, de peu. Regardez la savonnette, elle est bien faite aussi. Il y a des pièces de l'autre côté. Ouais, mais on peut pas y aller par là. Des microbes. Quand j'étais petit, j'appelais ça des microbes. Ah. Ouais, je voudrais essayer de... Alors là, par contre, c'est loin. On va essayer de prendre de l'élan. Et malheureusement, je me suis fait toucher. J'ai plus que une... Enfin, j'ai plus de vie d'avance, quoi. Je vais m'aider de toi. Voilà. Oh non, elle est dangereuse, cette zone. Elle est dangereuse. Voilà, et ouais, et là je vois pas où il va lancer son truc. Oh, c'est traître. Alors attends, est-ce qu'on peut le voir? Ouais, on le voit là. Attends, si. Ah, vas-y. Non. Et je me retape tous les niveaux. C'est la règle. On se retrouve, on en était à de suite. Me revoilà ici. Eh oui, je me suis retapé tout le niveau, c'est la règle. C'est triste. Ah, c'est triste de mourir dans ce jeu. Tu te retapes tout le niveau, t'as pas de checkpoint de mini-niveau. T'as pas ça. Alors, voilà, on a récupéré les pièces qu'on avait aperçues de l'autre côté. Attention, le robinet, il est où? Il est là, le robinet. Il faut pas se le prendre parce que ça blesse, ça. Et, malheureusement, je me suis touché. Ah oui, l'éponge. Parce qu'on est bloqué. Donc il va falloir éviter cette espèce de jet de glace tout en restant sur l'éponge. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Ah, voilà, j'ai voulu sauter, j'ai pas sauté. Ah, la bonne nouvelle c'est que le niveau... Alors c'est une autre partie du niveau. Ok, donc là ça compte comme un checkpoint, oui. Il considère que... Alors on n'a pas eu un titre, mais c'est... C'est la suite du niveau, mais ça considère que c'est un checkpoint. Je pense, ouais, j'espère que je me trompe pas. Ah, oh, l'éponge. Alors, regardez. Alors, attendez, il y a un truc là. Ici. Voilà. Petit passage secret. Alors, attention, toujours sauter en l'air pour voir où est le robinet. Mais en fait, si on n'est pas obligé de rester sur l'éponge... Je veux rester histoire de voir s'il n'y a pas un truc ici. Il n'y a rien. Alors on va descendre. Se débarrasser de quelques petits poissons. Attention. Alors attends, on n'est peut-être pas obligé de s'en débarrasser, mais il y a plein de pièces. Quand j'étais petit, ces bouchons, j'étais persuadé qu'il y avait un moyen de les enlever. Alors que c'est pas possible. Et ça m'a tout le temps travaillé. Je me suis dit, mais comment on enlève ces bouchons? Mais en fait, pas du tout. Oh, t'as failli me toucher, toi. C'est vraiment passé pas loin. Bon, vous me laissez une ouverture, les petits poissons. Hein, est-ce qu'il y a des pièces vers le milieu? Je crois pas, non. Alors, pour ressortir, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'éponge? Ouais, c'est quand même haut. Bon, j'ai plein de vie, là, on est bien. Ah! Alors regardez, ouais, Mister Nut, quand vous le mettez au bord, petite animation rigolote, je sais pas si je vous avais montré, il tombera pas, hein, vous inquiétez pas, si vous avancez pas, il tombera pas. Oh, ouais, la savonnette.
la savonnette. Alors, il faut attendre d'être en haut et qu'il n'y ait plus de jet de glace. Maintenant. Voilà, c'est pas évident et j'ai encore lancé une graine. À chaque fois que j'appuie sur X, très souvent, je lance une graine. Alors, sachant que ça se réinitialise à la fin de chaque monde, on est à 44, donc on est bien, on est bien. Quand tu les vois à la dernière minute, alors voilà, ça sert à rien de pousser. Faut trouver un interrupteur. Ah ouais, mais vous êtes nombreux aussi. Allez, faut utiliser un peu les graines. Mais putain, non, te fais pas toucher bêtement comme ça. S'il te plaît, y a pas un truc ici? Oh, y a un truc. Alors, il faut le savoir, hein, c'est sûr que... Sinon, tu fouilles les murs. Alors là, tu vois, si j'ai un poisson devant moi... Ah, j'ai un poisson, je l'ai vu. Vite, je recule. Sinon, je me le prends dans la face. Je lance une graine. Voilà, par sécurité. Il n'y a pas une petite vie par là. Non, il n'y a pas une petite vie. Le pire, c'est eux, là. Un petit poisson électrique. Ah, une petite pièce. Une pièce cachée. Voilà, toi je t'ai eu, parfait. Et tu me mènes à quoi? À l'interrupteur. Que j'ai activé sans l'éponge. Pas besoin de l'éponge. On n'avait pas besoin de l'éponge. Ok. Et maintenant c'est activé. Alors attention, il y a plein de monstres là que vous n'êtes pas obligé de buter. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous embêter au risque de perdre un cœur. Il suffit de les éviter. Attention. Alors on va aller là. Est-ce qu'il y a un truc ici? Non. Est-ce que vous voulez boire un petit verre de champagne? Une petite coupe? Hein? Ah non, pas en mission, je suis en mission. Interdit. Les écureuils ne boivent pas d'alcool hein, ici? Pas ma connaissance. Sonic, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, y'en a pas. Hop! À ceux qui ont grandi dans les années 90, comme moi. Voilà les amis, on verra la suite la prochaine fois. Ce sera la fin de ce monde et il y aura le boss. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, je serai mort, certes. On va essayer cette fois-ci de faire plus attention. On se laisse et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Mister Nut. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, bien évidemment. Ce n'est pas obligatoire, c'est comme vous le souhaitez. Ça permet de me soutenir et de faire connaître les vidéos en tout cas, et ça, c'est sympa. Merci à tous, des bisous, je vous aime. Ciao tout le monde, c'était l'OSH. Bon comme une lame, rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Je suis Sonic l'électronique, je suis Sonic Super.